Le corps de la victime présentait 7 plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant, type couteau de cuisine. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour ? On était amis, meilleurs amis. Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour ? C'est bien ça. Aviez-vous connaissance du conflit qui avait éclaté entre Flora et Lise ? Je sais que Flora avait mis en ligne une vidéo qui n'aurait pas dû l'être. Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas ? La journée, j'avais l'impression qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Vous savez qu'elle a vu plein de copains ? Je sais qu'elle en a eu, ouais. Non, mais vraiment plein. On a tous commencé au lycée, non ? Je savais qu'elle était ouverte, j'avais des copains qui avaient déjà fait des choses avec elle. Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation ? Tout le monde parlait de Lise comme d'une fille pas bien après, comme d'une salope en fait. Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile ? Dans ce cas, pourquoi on ne demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi ? On l'a fait parce qu'on avait envie tous les deux, c'est tout. Il est rapporté que Lise Bataille a menacé Flora Dufour en écrivant « Je vais te tuer, t'es morte ». Mademoiselle Bataille, est-ce que vous reconnaissez ce set de couteaux ? Oui. Et vous constatez, comme moi, qu'il y manque un couteau. Où est ce couteau rouge ? Je sais pas. Le fait que Lise a été au mauvais endroit au mauvais moment ne devrait pas lui coûter sa jeunesse. Il y avait l'ADN de Lise Bataille et de nulle autre personne sur le corps de la victime. Que savons-nous des adolescents de 16 ans ? Que savons-nous de leurs amitiés ? De leurs amours ? Jules, c'est quoi ce couteau ? Bah, c'est un couteau.